mon frère. Mon petit frère. Cette solitude partenaire au cœur de cette petite arène et cet adversaire qui a semblé s'édifier de l'autre côté de ton corps m'ont rapproché de toi. Je me reconnais dans cet exil intérieur que tu t'imposes en Toréon. Nous, comme des picadors, sans souci de chronologie, non plus que de protocole, des fillettes virevoltent, improvisant une séance de banderie. J'ignorais jusqu'alors ces géométries complexes, mais maintenant je sais qu'il existe d'étranges correspondances, sons, couleurs et odeurs sont des rubans lancés dans toute vitesse dans le mistral de mon cercle. De Havane à une demi-douzaine de tubes à butin, ces tubes étaient fermés d'un côté par un bouchon de tachélite. Le peintre s'exécute, il existe effectivement une arène dans cette hacienda. Fernando s'installe dans les gradins, on lui improvise un petit combat avec une vachette nerveuse. Je vais pour la première fois rencontrer Jack Lamotte. Il était du signe du taureau. Et cette année, c'est Eddie Ponce qui va goûter dans quelques secondes au plaisir du discours populaire. Populaire, c'est un adjectif que nous revendiquons. Car ce quart d'heure, dis-moi, pour répondre à quelques personnes qui m'ont posé la question de quelques minutes ou secondes, il ne remplace pas du tout le brandiste. Ce n'est pas un contre-brandiste, ce n'est pas un sous-brandiste, c'est un rendez-vous à part entière. Et votre présence aujourd'hui montre que vous avez compris les fondamentaux de ce rendez-vous entre Nîmois, par un Nîmois qui parle au Nîmois dans la langue que seuls les Nîmois peuvent comprendre. En même temps, ce n'est pas un rendez-vous de l'entre-soi. Ce n'est pas parce que nous sommes entre nous que c'est un rendez-vous de l'entre-soi, parce que l'entre-soi, c'est le contraire du savoir vivre et du savoir être ensemble. Or, le principe de ce QHL, c'est de lancer la feria, et la feria, c'est vivre ensemble pendant 5 jours. Prêt. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, le quart d'heure nîmois a été inventé pour qu'on se regarde le nombril entre nîmois en parlant de Nîmes. J'ai connu des occupations plus déplaisantes. Donc, aujourd'hui, un Nîmois parle au Nîmois. Que le majestueux taureau érigé en bas des allées Jean Jaurès n'est qu'un vulgaire œuf. Que la maison carrée avait failli être achetée par un Américain qui voulait la remonter aux States. Que Jean Nicot, la nicotine, qui introduit le tabac en France, était natif de la place de l'Horloge, à Nîmes. Qu'au début du XVIIIe siècle, il y avait encore 700 personnes qui vivaient dans les arènes de Nîmes. Que l'architecte de la Bonne Mère à Marseille, Henri Espérandieu, le bien nommé, était de Nîmes. J'applique un coefficient rectificatif que j'estime à 10%, ce qui donne à peu près le résultat corrigé de 50 000 vers. À peu près. En attendant, et puisque ça c'est bien Nîmois, et donc possible et réaliste, je vous propose que grâce aux avocats du diable et à l'union des clubs taurins Paul Ricard, nous buvions le verre de l'amitié, Kratos. Alors regardez les amis, merci. Merci.
impressionnant de ne pas connaître Carole. Parce que je donne toujours le dernier. Voilà. Qui m'a dit tu parles en dehors. Tu me donnes le dernier souvent, j'ai dit ça. Ça te va bien. Mais tu t'es donné l'adresse, je t'ai dit. Oui, mais j'ai oublié. J'ai perdu l'adresse. J'ai déjà le tour aussi. Il y en a partout. Pourrait écrire, finalement, est-ce que ce n'est pas le même geste? Et c'est très vrai. L'écriture et la place, c'est un seul et même geste, et ce n'est pas Gilles Galliot, le roi de 2017, qui nous dira le contraire, lui qui fut morceau d'escale de Patrick Varin, qui est acteur, comédien, metteur en scène, lauréat de 2017, qui nous dira tout à l'heure, je l'espère, un petit mot pour nous parler de son expérience. Alors, il y a eu d'abord une nouvelle qui... était la première de son genre. On n'avait jamais vu la tauromachie de cet endroit-là, c'est-à-dire de l'infirmerie, à travers les yeux d'un chirurgien. C'est une nouvelle en fait espagnole qu'on a lue en français bien sûr, mais qui s'appelait El Exquisito d'Adrián Martín Albó de Madrid. On a aussi beaucoup aimé une nouvelle tout à fait étonnante. Ça s'appelle Pacujaoui de Jean Pouesset de Montpellier. Et vous verrez que c'est une nouvelle totalement surprenante qui se passe en Asie du Sud-Est. Une autre nouvelle qui se passait en Asie du Sud-Est, c'est Arnaud Bourrier, avec une nouvelle assez formidable que vous allez beaucoup aimer. Il est là, voilà. Et qui s'appelle Castro et qui se passe aussi dans un camp d'Asie du Sud-Ouest. Mais celle qui est restée challenger jusqu'au bout, c'est la nouvelle de Fabien Philippe, qui est un Québécois et qui s'appelle Gracier les ongles. Je suis ravi de transmettre ce flambeau parce que moi-même, grâce à ce prix Mingway, je l'ai déjà dit l'année dernière, je passe à une autre dimension qui est celle du roman. Donc voilà, je salue d'avance le ou la lauréate et je vous remercie tous et j'ai passé 365 jours merveilleux. Merci à tous. Et parce que ce prix va partir à l'étranger, eh bien, on s'est demandé au plus international d'entre nous, à savoir Yuri Buenaventura, d'annoncer le nom du lauréat. Maestro José Luis Valdés Belmar, Sombras de Luna. Que también me había dado la llave para abrir el cofre de un tesoro.
para conseguir el premio femenino. Elle ne savait pas non plus qu'il m'avait donné les clés pour ouvrir un coffre, et le coffre qui est le coffre du prix Emmy. Espero que con su lectura disfruten ustedes tanto como yo he disfrutado escribiendo. J'espère que à la lecture vous allez prendre autant de plaisir que lui en a pris quand il a écrit. Merci. Depuis 10-12 ans que je fais partie de ce jury, je n'ai jamais lu une nouvelle qui porte si haut l'animal que nous aimons tous les aficionados, qui est le taureau. Et la belle danse et magie qu'il existe entre le taureau et le torero. Merci beaucoup. Et je vois que toi aussi, tu te souviens de chaque passe. Grâce à toi, je suis heureux. Bien que tout le monde dise que je suis fou, que je ne parle qu'avec les animaux, que je vis loin dans un autre monde, peut-être voudront-ils me convaincre que ceci n'a jamais existé, que ce ne fut qu'un rêve, une illusion, seulement des ombres de lune trompeuses. Sombras de luna engañosas. Mais toi, tu étais présent, toi tu as tout vu. N'est-ce pas, Manuel? N'est-ce pas?